J'étais extrêmement fier de participer à ce groupe de travail consacré au stress hydrique et aux économies d'eau à rechercher, à l'initiative de l'Université des sciences économiques et sociales ici à Inchoq. Bravo d'abord pour cette initiative. Alors, j'étais très fier parce que, en tant que distributeur, l'IDEC apporte une contribution à la lutte contre le stress hydrique. Comment ? Eh bien, en travaillant sur les économies d'eau, en veillant à traquer les fuites avant qu'elle n'ait des effets négatifs sur les consommations. C'est pour cela bénéficier et mettre en place des technologies, j'ai envie de dire, de dernière génération, sur la base de capteurs qui aujourd'hui accompagnent le déploiement des réseaux. On a à peu près 4000 capteurs qui auscultent en permanence le réseau, les 7000 km de réseau d'eau potable, et qui nous permettent en permanence d'être informés de l'occurrence d'une fuite, de lancer son traitement dans des délais extrêmement courts pour qu'elle n'ait pas d'impact sur les consommations et sur le stress hydrique. Hein. Notre métier, il est là, c'est apporter un service, traquer les fuites, veiller à ce que tout cela se fasse de façon maîtrisée, coordonnée et tracée. Les technologies novatrices aujourd'hui nous permettent d'avoir une maîtrise la plus complète, la plus précise et en continu du réseau. Nous avons chaque matin, nous remontons l'ensemble des défauts constatés sur le réseau. Nous intervenons dans la foulée en déployant tout de suite des équipes qui ont pour mission de traiter ces anomalies dans les délais très très courts. Nous optimisons en permanence le fonctionnement du réseau en remplaçant des conduites qui sont identifiées comme présentant des risques de défauts ou de casse. Nous faisons aussi en parallèle, et je crois que ça c'est un des rôles majeurs qui nous est confié, de la sensibilisation en direct ou grâce et avec l'aide d'associations partenaires auprès des citoyens, auprès des clients, pour leur expliquer le bon usage de l'eau, la sensibilisation à la rareté de l'eau, car chacun est un acteur et une sentinelle de la préservation de l'eau. C'est fondamental de les découvrir ou de le faire partager en période de stress hydrique. Alors aujourd'hui, on est à la faculté des sciences économiques et sociales dans un atelier sur l'eau. L'objet, c'est de faire de la sensibilisation, de la vulgarisation de la question de l'eau. Nous traversons une période difficile depuis 2019 avec des sécheresses répétées. Nos ressources ne sont plus suffisantes pour subvenir aux besoins. Et donc c'est une occasion aujourd'hui d'expliquer quel est notre potentiel en eau, quelles sont les politiques publiques dans ce domaine et quels sont les projets qui sont en cours de réalisation pour qu'on puisse s'adapter à cette situation un peu nouvelle de stress hydrique.